Bonjour Céliaté, Market News, 2 minutes de nouvelles du marché. Regardons ensemble, il est 12h à Paris, le point, le tout le monde en parle, le chart of the day et le calendrier du jour. Avec les techs qui ont bombé Wall Street hier, notamment Tesla, le marché est vraiment dans l'attente de toute façon avec ce qui va se passer aujourd'hui avec rapport sur l'emploi américain. Et donc ce sera cet après-midi à vraiment prendre très au sérieux. Les marchés sont vraiment rivés sur ce rapport. Et puis le pétrole toujours en hausse, gagne plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Tout le monde en parle aujourd'hui avec le rapport sur l'emploi du mois de mai, ce sera tout à l'heure. Puis AMC, toujours AMC, une chaîne de cinéma finalement quasiment en faillite, dont la valeur comptable est proche de zéro, mais qui promet du pop-corn à ses actionnaires et le cours est monté, en passant de moins 30% à plus de 60%, entre 38 $ et 68 $. Le plus spectaculaire, c'est le volume, hein, le volume de trade avec 40 milliards de dollars échangés sur AMC, plus de 10 jours de transactions. C'est assez hallucinant. Le chart of the day, je vous propose Gold, qui hier a eu une grande difficulté. On peut voir hein, cette grande difficulté avec l'or qui est descendu massivement. C'est assez logique. On a besoin de reprendre un petit peu son souffle après cette grande montée de ce canal haussier, donc canal bullish ici. Et donc on peut se rendre compte que le marché reste un tout petit peu maintenant suspendu à cette ancienne résistance ici qui était auparavant une zone de support. Donc à voir si le marché va encore descendre plus bas, ce sera intéressant de voir ceci. C'est assez intéressant de voir justement où est-ce que le marché s'est arrêté. Vous voyez que le marché s'est arrêté exactement là où on l'attendait un tout petit peu. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on l'a dit, ce qui est important, c'est le changement sur l'emploi non agricole aux USA. Ce sera tout à l'heure à regarder, à mettre en rouge dans son agenda. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, de bonnes affaires, un bon week-end et je vous retrouve lundi à midi heure de Paris. Merci, au revoir.